Sur les routes, sur les trottoirs, 5 à 6 cm de neige au lieu de 3 annoncés. Il n'en fallait pas plus pour compliquer les déplacements ce matin. Aucun bus ne circulait sur le réseau TCL. Ses usagers sont en colère. C'est insolent, vraiment. On ne laisse pas la population lyonnaise comme ça. C'est un scandale que la ville de Lyon n'ait pas prévu de mettre des bus. Bon, ça, et depuis hier au soir, on sait qu'on est en alerte orange. Mais c'est inouï, hein, parler d'un maire. Hein. Une alerte orange à la neige et au verglas avait pourtant été mise en place dès lundi après-midi. Certains élus regrettent que la métropole n'ait pas anticipé ces phénomènes. Ce qui aurait pu être anticipé, c'est dans un premier temps un véritable plan pour faire circuler les bus, notamment en salant les routes, et dans un deuxième temps, de pouvoir permettre la continuité sur nos pistes cyclables, sur nos trottoirs. Et ça, finalement, ça n'a pas été anticipé par la métropole. Et c'est un vrai problème aujourd'hui pour nos usagers qui nous font remonter beaucoup de problèmes dans les rues de Lyon. De son côté, la métropole assure qu'elle a fait le nécessaire en mobilisant 40 véhicules pour saler les routes dès le milieu de la nuit. On a anticipé, ça reste des phénomènes qui sont compliqués à appréhender, surtout quand on nous annonce des pluies verglaçantes qui finalement n'ont pas eu lieu. On a fait au mieux pour traiter depuis 2h30 sur certaines équipes, puis 3h30 du matin. Après, très clairement, quand la circulation démarre, c'est compliqué pour nous aussi de faire les circuits correctement. Une vigilance jaune à la neige et au verglas est en cours jusqu'à minuit dans le Rhône.